salut à tous, c'est Amine, on se trouve sur Zelda Breath... Ah non, en fait on n'est pas sur Zelda, et on n'est même pas sur console Nintendo les gars. On est sur WWE 16. Bon alors là vous demandez certainement ce que vous faites ici, ou dans quoi je vous embrouille. Bon les gars, breaking news, la WWE qui est la fédération de catch la plus connue dans le monde, vient de recruter le talent le plus prometteur de sa génération. Vous voyez de qui je parlais, hein? Et évidemment je parlais de celui qui est connu à l'air sous le nom de Grand Manitou, j'ai nommé Saku. Alors j'ai bien dit qu'on allait faire ça ensemble, pourquoi? Tout simplement parce qu'il va y avoir de nombreux choix critiques à faire dans cette aventure qui vont en fait façonner le parcours et la carrière de Saku. Donc en fait c'est simple, à chaque choix je vais te solliciter toi là, lors d'un Strawpoll, et donc ce sera bien toi qui va choisir si Saku sera un catcheur droit et honnête, fidèle à ses valeurs, prêt à aider ses amis dans le milieu, ou bien si tu vas décider d'en faire la pire des crapules, prête à tout pour arriver à ses fins, quitte à trahir ses amis ou ses partenaires, ou à tricher. Donc t'as compris, c'est pas si compliqué que ça. Sans plus tarder, je vous propose de commencer cette aventure. Et bienvenue au Performance Center. Je sais que t'as reçu de nombreuses propositions que t'aurais pu finir caster pour le stream FR, mais t'as préféré venir à WWE. Bon, on sait que t'as du talent, du coup on va te lancer dans la course au titre NXT. Allez, va te chauffer. J'ai un match pour toi dès que tu seras prêt. Alors NXT, qu'est-ce que c'est? Alors NXT, c'est la branche de développement de la WWE, ce serait l'équivalent d'une deuxième division en quelque sorte pour les jeunes talents. Donc nous, on est retrouvé lâché dans cette division, alors voilà, on est sur l'écran des classements, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous donne? Alors on voit le champion en titre NXT, et en dessous on voit un classement de 10 catcheurs, donc du 1er au 10e, le premier étant celui qui va recevoir une opportunité au titre, un match pour le titre très prochainement, et le 10e, donc nous, on en est assez éloigné. Donc le but ça va être de monter dans cette hiérarchie, être numéro 1, donc challenger au titre, prendre ce putain de titre, et pouvoir bouger dans une autre division. Et pourquoi pas devenir champion mondial, qui est quand même l'objectif principal de Saku dans sa carrière. Bon allez, du coup on est parti les gars, première semaine, premier match de la soirée pour Saku. Bon, on va voir ce que ça va donner, match contre Enzo Amore, c'est parti. Ah ok, aujourd'hui tu vas t'entraîner avec Enzo Amore, il va t'aider à apprendre quelques petits trucs. Allez, monte sur le ring, on va commencer. Bon, de ce que j'ai compris, ça va pas être un vrai match à proprement parler, ça va être quelques bases en fait, enfin, c'est un petit match d'entraînement, ils vont nous apprendre à jouer, donc si j'ai bien compris, voilà. Mais nous, ça nous intéresse pas parce que Saku, on sait qu'il est là, on sait qu'il a le skill, on sait que c'est pas à lui qu'on va apprendre le catch, il a ça dans le sang, c'est un talent, c'est un pur talent. Donc voilà, bon, Saku, voilà, regardez ça déjà, les petites prises, prises élémentaires, des petits coups de genoux comme ça. L'agilité d'un homme, aucune limite Saku, vraiment. Bon, allez, on s'entraîne, il veut encore voir d'autres cordes à notre arc. Bah tiens, regarde-moi ça. Petite prise de soumission, tranquillou, Saku qui fait taper Enzo Amore, et voilà, on fait le job. C'est ça que je veux voir. Je pense que c'est bon pour le moment. Allez, vas-y, fais un break. Voilà, tout ça dans la joie et la bonne humeur, hein. Pas de rancune, on t'a humilié mais pas de soucis. Allez, on rentre au vestiaire maintenant. On rentre au vestiaire, on a fait le taf pour la soirée. Je pense que, bon, rien de bien excitant pour ce premier soir, mais voilà, c'était, fallait pas se louper. Et on l'a fait. Donc on va passer à la suite. Qu'est-ce qui attend Saku pour la semaine prochaine? Découvrons, découvrons. Ah ah. Voilà, voilà on, pour le moment je crois qu'on a toujours rien débloqué parce que, ouais voilà c'est ça. Faut vraiment attendre de vraiment être officiellement lancé dans la compétition. Donc là on va, allez c'est parti, je pense que là ça va être un vrai match pour le coup. Voyons voir. Ok, je vais voir ce que tu peux faire dans un vrai match. Tu vas avoir un match contre Tyler Breeze, qui est l'ancien challenger au titre. Et si tu réussis ton match, tu peux être sûr de bientôt commencer à NXT. Bon les gars, vous avez compris, là c'est la chance de toute une vie pour Saku. Il n'a pas le droit de se louper parce que s'il réussit ce match en gros, c'est bon, c'est officiel, il va commencer à NXT, il va être dans la course au titre. Bon alors pour le moment... Là va falloir, on n'est pas là pour faire le spectacle clairement, on est là pour gagner ce match. Donc là tout de suite on va essayer de dominer ce match. Allez c'est parti, drop kick, on pousse dans le coin. Voilà. Saku. Allez, on va essayer de montrer un peu un petit éventail de techniques qu'on possède. Là on est chaud, là Saku qui fait un peu le malin. DDT, on l'a planté. Saku qui s'arrête plus là, il est land fire. On projette dans les cordes. Oh la closer line. Allez c'est parti, là on monte sur la deuxième corde. Et Frog Splash, voilà, plutôt réussi. Pour le moment c'est un match à sens unique. Là on montre un peu vraiment toute la puissance de Saku. Ah, Tyler Breeze réussit pas à faire grand chose. Ah, j'ai parlé un peu trop vite, c'est le contre. Le contre, attention Saku, faut qu'il se relève assez vite. Ah, on a l'impression que le match a changé un peu de configuration. C'est Tyler Breeze qui reprend l'avantage des descentes du coude pour le moment. Coup de pied dans l'abdomen, DDT lui plante la taille dans le sol. Ah, c'est un peu, ça commence à craindre un peu là pour Saku. Ça craint parce que si il revient pas dans le game, ça va être fini pour sa carrière de la WWE, ce serait une fin assez prématurée. Mais voilà, il s'annonce pas... Enfin... Le souplex arrière, c'est bon, Saku est de retour dans le game. Saku est de retour dans le game. Ah, on sent le powerhouse quand même, on sent qu'il est chaud, on sent qu'il a de la puissance. Que fait-il, la brouette? Il lui plante la face contre le sol. Allez, 1, 2... Ah, et seulement 2... Bon... Saku qui fait preuve de pas mal d'agressivité pendant ce match. Hein. On sent, on retombe le tombé. 1, 2, et seulement 2 encore une fois. Tyler Breeze qui ne veut pas s'avouer vaincu. Saku qui fait son possible, hein. On le voit qu'il met mal son adversaire. Oh là là, le petit souplex arrière. Attention, on compte le tombé cette fois. 1, 2, et 3, c'est bon. Victoire pour Saku. Sa première victoire dans un vrai match. Donc là, c'est de bonne augure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à rentrer dans la course au titre assez rapidement, très certainement bah, cette semaine, ce mercredi. Alors voyons voir ce qu'on a. Alors match de ce soir, c'est un tag team match, donc un 2 contre 2. Pourquoi pas, écoutez, on n'a toujours pas débloqué The Authority, Dali, ok. Alors, voyons voir le classement, est-ce qu'on a un peu gratté quelques places avec cette victoire contre Tyler Breeze? Non, on est toujours 10ème. Bon écoutez... ok, on va faire preuve de patience, hein. Et bon alors, 2 contre 2, on a un partenaire random, pourquoi pas. Alors comme vous pouvez le voir, hein, le catch c'est des catcheurs mais c'est aussi des catcheuses, hein, pour le plaisir des yeux. We've decided that your first official NXT match is going to be Finn Balor and Hideo Itami. On t'a trouvé 2 adversaires. Montre-nous de quoi t'es capable ce soir pour nous montrer qu'on a raison de te donner ce match la semaine prochaine à NXT. Donc en gros, ce qui se passe les gars, c'est la folie. Parce que la semaine prochaine en gros on a un match en tag team, hein, donc en 2 vs 2, contre le champion NXT et le 3ème au classement. Donc en gros ça va être un match... Si on remporte, il y a moyen de faire un bond assez significatif au classement et de se rapprocher un peu bah, de cette place de challenger. Donc pour le moment on a 2 adversaires qui nous servent d'adversaires de chauffe. On va essayer de faire bonne impression. Pourquoi pas essayer de gratter peut-être une place en gagnant ce match. Pour le moment c'est Saku qui a débuté le match, donc là on domine, hein. Saku qui domine, qui fait preuve de puissance. Putain il fait le ménage, hein. Il a pas envie que l'autre fasse chier aux abords du ring. Saku qui est super agressif, hein. Il y va en 2 contre 1, il a pas peur, il s'en fout, il est là. Mais 2 contre 1, voilà, c'est un peu téléphoné parce que il se fait avoir par le number game. Ouais, attention, il se fait un peu dominer pour le moment. Allez, on projette dans le côté. Oh, le tag il a été fait. Oh, petit travail d'équipe sympathique, ma foi. Allez, le tombé, 1, 2, mais Saku! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il a cassé le tombé de son coéquipier. Ce team play quoi, team kill mec. Et maintenant il fait le ménage autour du ring. Il est en train de faire du rangement, il nettoie la poussière. Il fait de la gymnastique maintenant. Saku qui fait de la gymnastique, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Et ah, il refait la poussière un coup, pourquoi pas. Pendant ce temps son coéquipier essaye de faire le taf dans le ring. 1, 2 et 3. Victoire de Saku et de son coéquipier Baron Corbin. Ok, bah écoutez, c'était une victoire assez simple, dans le sens où on n'a pas eu à faire grand chose. Bon, on s'est pas fait que des alliés hein, à l'issue de ce match. Ok, notre coéquipier s'en bat royalement les couilles de nous. Pas un salut, rien du tout. Bon, de toute façon, nous on s'en fout, on était là pour gagner ce match. Next week is your first match on NXT. La semaine prochaine, c'est ton premier match à NXT. Avec toutes les lumières, le public et tout ce qui va avec. Tu vas bien t'amuser, on fait tout ça parce qu'on aime ce business. Allez. On sent que tu vas faire de grandes choses à la WWE. Bon, écoutez les gars, on a bien négocié ce 2 vs 2. Pour le moment, c'est un sans faute hein, pour Saku, c'est un sans faute. Qui va lui ouvrir les portes de NXT officiellement la semaine prochaine. Donc c'est parti, procédons. Tac tac tac. Et voilà, c'est ça. Donc premier match télévisé. Donc c'est à dire avec tout le public et tout ce qui va avec. Hein. Là ça va être vraiment la grosse compète. Et donc, comme je vous ai dit, on a une chance d'affronter le champion là. Dans un match par équipe. On va essayer de profiter de cette opportunité pour faire un bon classement. Là on est combien? Est-ce qu'on a gratté quelques places? Non, toujours 10ème. Bah écoutez, ce match, ça va être... c'est l'occasion. C'est l'occasion jamais. Et bah on va enfin pouvoir voir de quel bois se chauffe Saku. On va voir si on est à la hauteur de l'événement, si on a le niveau. Ça va être plutôt intéressant. Allez, si on a le même coéquipier que le match précédent. On avait... On peut pas parler d'automatisme, mais bon, on a vu qu'il faisait le taf, donc on a confiance. On a confiance et on va gérer. Allez, c'est parti. Ça y est les gars, c'est le moment qu'on attendait tous, les grands débuts de Saku, la WWE, le match qui va donner le ton pour toute sa carrière. On a hâte de commencer, c'est parti. WWE's finest, squaring off in what will assuredly be an exciting tag team encounter. Tremendous tag team competition coming up here. Voilà, on va s'arrêter là pour le premier épisode, pour l'épisode pilote. Donc là, je vais vous demander de voter sur le Strawpoll, donc le lien est dans la description. Je vais vous demander de voter parce que c'est vous qui allez choisir si Saku va être un catcheur droit dans ses bottes, qui va essayer de chercher la victoire dans les règles de l'art, ou si au contraire, pour vous, ce qui doit importer à Saku, ce n'est que la victoire et peu importe les moyens qu'il utilisera pour y arriver. Donc voilà, votez et votre choix affectera directement l'épisode suivant. Alors c'est un épisode 0 en quelque sorte, c'est un épisode pilote expérimental, donc voilà, si ça vous plaît je ferai une suite, faites-le moi savoir dans les commentaires ou à travers les pouces bleus, tout ça. Si ça vous plaît pas, tant pis, je vous en voudrais pas les gars, hein. Pas de soucis, on fera un let's play sur Tetris à la place. Bon, vous avez compris, moi je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout et tchou tchou bye bye.